voulais vous présenter une formule un peu différente. C'est une rencontre par équipe où il va y avoir pas mal de matchs. Le but, c'était que les 8 athlètes tirent ensemble. Donc, ça sera une formule un peu innovante. On garde le format des 45 touches, mais ils ne vont pas faire 5 touches chacun, sinon ça durera trop longtemps. En revanche, ils vont se rencontrer et à la fin, l'ordre des matchs sera bien sûr donné. Mais ils ne vont pas faire le même nombre de touches chacun. Il y aura des matchs un peu plus courts. Et on terminera par deux gros matchs plus gros avec Arthur Philippe et Alex Fava. Et surtout le match qui va terminer entre Romain Canon et Yannick Borel. Voilà, normalement il va y avoir une arbitre qui va vous expliquer tout ça. Allez.
Découvre les scripts. Ce soir, on vous a présenté les joueurs, mais on a oublié de vous présenter l'arme qu'ils pratiquent, c'est l'épée. Et donc l'épée, c'est une arme non conventionnelle. Le premier qui touche a le point. Si on touche dans le même quart de seconde, c'est le coup double, c'est un point chacun. Voilà. Bila, Baba, se prépare. Yali, en garde. Prêt? Allez.
Une égalité. En garde. Prêt. Allez. Allez. Quatrième relais. Emeric Lélie contre Lilian Ingefra. Cinquième relais, Arthur Philippe contre Romain Canon. Oh,
Arthur Philippe contre Luigi Middleton. Thank you.
Parfois, l'escrime est un sport qui est complexe parce que nos armes peuvent ne plus fonctionner. Et là, il s'avère que la balle, c'est le fil de corps. Et donc, quand le joueur d'en face touche sur la coquille, ça ne doit pas s'allumer. Et là, ça s'est allumé. Donc, ça dysfonctionne. On change de team. Si la pad est la bonne, c'est le fil qui est en match. Alors un bon escrimeur doit aussi être un bon préparateur d'armes, même si en équipe de France il y a un armurier, en général l'escrimeur aime bien préparer ses armes. C'était bien le fil de corps. Allez, faut réveiller vos mains quand il y a des touches, faut applaudir un peu plus fort hein, parce que je sens que vous allez vous endormir. Hein. Allez, Corps à corps, mais l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas de corps à corps, il a laissé les joueurs combattre et Yannick a touché. Voilà. Allez, Emeric à gauche contre Alex à droite. Alors,
Thank you.
chercher une au moins. La non, la bonne six. Dans les scripts, c'est qu'on peut remonter. Et là, donc 22-21 pour l'équipe de Luigi, Lilian, Romain et Alex. Philippe, on peut MG Fox, c'est pas Gali, on peut Canon. Allez, on vous entend pas très bien là.
Allez, Yannick! Yannick, ouais! On va aller contre le Fabat, qui est fait par Villa, pour Ben Defac. Allons 32 points.
Voilà, le prochain relais, c'est Arthur Philippe contre Alex Fava, et c'est un relais qui va aller jusqu'à 37. Et le dernier relais qui clôturera ce match, ça sera Yannick Borel contre Romain Canon. Et là, ça sera un match en 7, 8 touches. 8 touches. Voilà. Allez, allez, sous le relais. Autant dire que c'est difficile de savoir qui va gagner. Choisissez votre camp et soyez plus démonstratifs. Voilà, deuxième finale.
On va plus les présenter, mais on va rappeler quand même quelque chose. Romain est numéro 1 mondial et Yannick numéro 2 mondial.
On va faire un tirage au sort. Allez, Anika. Après, allez, il reste une minute à Romain pour marquer une touche tout seul. S'il n'y a pas de touche, on s'abaffeur à la fin de cette minute. C'est Yannick qui viendra. C'est ton dada, ça. Allez, c'est parti. Allez. Ici. On va voir comment ce qu'on va faire, comment on va le faire. Pour les jeunes escrimeurs, je pense qu'on va passer un peu plus de temps dans la salle d'armes et on pourra échanger avec eux. Je pense que ça leur fera du bien. Ils seront contents de voir les athlètes près d'eux et surtout de faire de l'escrime là où ils en font aussi. Je pense que c'est important. Et les plus jeunes, tous les champions ici étaient des jeunes escrimeurs dans des clubs comme celui d'Épinal avant. Aujourd'hui, ils sont devenus les grands champions.
Je pense qu'ils vous ont montré la voie. Maintenant, si vous avez envie de rêver, donnez-vous les moyens et vous y arriverez, j'en suis sûr. Bonne soirée à vous tous. Je vais en profiter, je vais demander à tous les enfants du club d'Épinal de venir sur la piste avec les champions qu'on va être auto. On va oublier ça, on va trouver la salle. On va tous les enfants du club d'Épinal. Et après, c'est le moment. Tous les enfants qui sont